savez que moi aussi, je sais faire quelques imitations. J'ai des talents cachés. Je vais par exemple vous imiter la boule. Oh, quand est-ce qu'on mange? C'est pas mal, non? Et maintenant, on va rigoler, parce que j'ai un spécialiste qui arrive. Oh, Didier Gustin. Bonjour, Père Poix. Vous avez trouvé la bonne voie pour arriver jusqu'ici? Oui, difficile. Comment ça se passe? Plutôt bien. Bien. Plutôt bien. Alors, vous savez que vous devez trouver un indice. Oui. Bien, vous êtes concentré. Tout à fait. Regardez par là. Oui, vous n'êtes pas concentré. C'est moi qu'il faut regarder. D'accord. Attention. Première proposition. Oui. La rame de mon indice ne fait avancer aucune embarcation. Dites tout ce qui vous passe dans la tête. Allez. Papier. Pardon? Papier. Pourquoi papier? La rame de papier. La rame de papier? Mmh. Vous êtes sûr de vous? Alors, pour être bien sûr, hein, parce que là, ça va un peu vite. Écoutez bien la seconde. Mon indice peut être ordinaire ou sensible. Je vous jure, je vais papier. Aussi sérieux. Papier? Sensible? Vous dites deux. Vous êtes deux fois papier. Ouais, papier. Alors maintenant, la dernière. Papier ordinaire, papier sensible. Dernière proposition, la pâte qui compose mon indice n'est pas comestible. La pâte à papier n'est pas comestible, donc papier. Mais je vous confirme que vous avez gagné, bien sûr. C'était bien papier. Allez-y, dépêchez-vous, rejoignez votre À bientôt, équipe. Merci, papa. Ils sont vraiment trop forts. Alors là, pour un spécialiste de la voix... Il m'a mis sur une voie de garage. Je reste sans voix.